lorsqu'on regarde la création de valeur réalisée par les GAFA et le troupeau de licornes qui les poursuivent, hein, si on s'attache aux 190 licornes qui sont apparues depuis 10 ans, c'est 600 milliards de dollars de création de richesse pour leurs actionnaires. Dans le même temps, l'Eurostoxx 50, hein, qui est l'indice des grandes valeurs européennes, a créé zéro valeur. Zéro création de richesse pour les 50 premières entreprises européennes sur les 10 ans, les 10 dernières années. Et c'est la même chose pour les emplois créés par ces entreprises en Europe. Donc on voit bien qu'on a un souci de création de valeur. Quelles sont les armes, de ces nouveaux entrants et comment on peut en récupérer une partie? Voilà, c'est un petit peu la vision que je voulais partager avec vous. Donc la première arme de notre point de vue, c'est d'abord remettre au cœur de la stratégie l'expérience client. On a toujours parlé du client au cœur de la stratégie de nos entreprises, et la vérité, c'est qu'on les avait souvent, parfois en tous les cas, oubliés ce que fait vraiment la valeur et de ce qu'on apporte à nos clients. Et donc remettre l'expérience client au cœur, complètement au cœur de notre stratégie, avec une stratégie agile, hein, l'agile est rentré dans l'entreprise depuis quelques années, il faut faire monter ce modèle jusqu'à la stratégie et à son déploiement. Et donc, remettre l'expérience client au cœur de la stratégie avec une stratégie agile, avec le test and learn qui est tellement puissant pour les startups aujourd'hui et qu'on a souvent oublié en se concentrant sur nos process internes, sur notre rationalisation et non plus tourner vers l'extérieur. Alors, c'est plus de plan à 3 ans, mais c'est le test and learn qui permet d'accepter de se tromper, de recommencer et de faire du rapide et du concret. Tout ceci dans un écosystème ouvert. Hein. On voit bien que ce modèle test and learn nécessite de l'open innovation, un écosystème ouvert. Et comme exemple intéressant, je voyais ce que Devoteam nous faisons avec Google, hein, qui est pourtant une grande entreprise qui pourrait faire probablement tout ce qu'elle veut toute seule. Nous faisons un programme pour permettre à un client d'acheter une voiture depuis son canapé, en essayant de traiter tous les irritants et en faisant une expérience émotionnelle d'achat de voiture depuis le canapé. Voilà. Et ça, c'est un projet que nous développons avec Google et qui montre qu'une entreprise aussi puissante que Google s'intéresse à ouvrir son innovation pour essayer de capter un maximum de valeur à l'extérieur. Donc, premier élément, cette open innovation, cette stratégie test and learn au service réellement de l'expérience client. Le deuxième élément, c'est une plateforme sans faille, un socle de technologies, d'infrastructures qui soit extrêmement solide, au meilleur standard du marché, parce que c'est le cas de ces startups. Elles sont extrêmement solides en matière technologique et nous devons apporter le même niveau de solidité à nos équipes pour qu'elles puissent inventer le monde digital dont nos clients ont besoin. Donc, un socle réellement extrêmement solide qui est une nécessité et donc nécessité de remettre le système d'information et la direction du système d'information dans une place de business partner réellement efficace, hein, puisque effectivement tous ces bouleversements ont énormément perturbé les directions des systèmes d'information. Or, il y a un besoin réel d'un socle technologique extrêmement solide qui nécessite de remettre la DSI dans une position qui va permettre un système absolument sécurisé, agile, flexible, et puis avec toute la puissance des technologies qui sont arrivées. La troisième arme qu'il est de notre point de vue nécessaire de prendre en compte dans nos grandes organisations, hein, qu'on peut voir à l'œuvre chez les digital natifs, c'est d'établir et de déployer une culture du digital dans nos entreprises. Pourquoi ? Parce qu'elle est indispensable à l'appropriation des outils qui permettent de faire émerger l'intelligence collective.
Cette intelligence collective, elle est absolument indispensable si vous voulez faire du test and learn, puisque le test and learn, ça veut dire des équipes sur le terrain qui sont en contact de toutes les potentialités et que vous avez, dont vous avez besoin de capter l'intelligence, puisque ce n'est plus au niveau uniquement de l'équipe stratégique que l'on va dérouler la vision, mais au plus près du terrain. Et donc cette intelligence collective que permettent maintenant les technologies et les outils collaboratifs est réellement nécessaire à cette stratégie d'agilité. Or, ça n'est possible qu'en ayant réellement diffusé cette culture digitale. Voilà, voilà les trois armes qui me paraissent indispensables, qui nous paraissent indispensables de capter pour faire bouger nos grandes organisations. Alors, avec la nécessité pour gagner cette bataille digitale d'avoir des agents transformakers dans l'entreprise, pour reprendre notre slogan chez Devoteam, et puis avec une ouverture très intéressante sur le fait que en gagnant cette bataille, on va recréer de la valeur pour le client, puisqu'en remettant l'expérience client au cœur de notre stratégie, on redonne de l'importance au client et donc de la valeur pour le client. En redonnant, grâce au succès de développement, de la valeur à nos actionnaires. Et enfin, en étant sorti des carcans des ERP et en ayant redonné toute sa place à nos équipes à travers ces outils d'intelligence collective, on redonne de la valeur à nos salariés. Et donc, on retrouve le triptyque gagnant de la valeur pour les clients, pour les actionnaires, et pour les salariés de l'entreprise. Ça sera mon mot de conclusion de cette vision. Voilà, ah ben voilà. Merci beaucoup. Très efficace. Merci beaucoup. Merci Stanislas. Alors effectivement, il y a un sujet qui est The Incredible Shrinking CAC 40. Je suis désolé de le dire avec cet accent, puisque Klépierre va intégrer le CAC 40, qui est une très belle société, Klépierre, hein, adhérent de l'EBG d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont là. Mais en termes de technologie, de brevets, d'équipe, de capacité industrielle, évidemment, on voit que le CAC 40 a beaucoup souffert. Ce n'est pas que ça n'a pas augmenté et créé de valeur, c'est que pour ce qui concerne le CAC 40 français, si j'ose dire, il y a eu quelques disparitions et non des moindres, comme Alcatel, etc. Ben, merci beaucoup, Stanislas. Merci. Voilà, c'est le mot triste, c'est le moment triste.